Bonsoir. Chers amis, nous venons d'entendre une très belle, magnifique improvisation, inspiration de Carole Beffa, musicologue, compositeur et pianiste, qui va improviser à deux autres moments lors de la soirée. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre soirée annuelle de remise de prix ici à Monaco. Je souhaiterais en préambule, au nom de toute l'équipe des rencontres, vous dire à quel point nous sommes plus que jamais engagés et attachés à philosopher ensemble au cœur de la Principauté. Nous nous réunissons au Théâtre Princesse Grâce pour notre soirée annuelle et surtout pour remettre nos différents prix. Le prix des lycéens, la mention honorifique à un éditeur, et notre prix de philosophie 2022 pour un livre choisi par notre jury. Et sans plus tarder, je cède la parole à notre chère Charlotte Casiraghi, présidente des Rencontres philosophiques de Monaco. Bonsoir. Je suis tout autant que Raphaël très heureuse d'être parmi vous ce soir et aussi parce que je me sens très, très entourée par mes amis, par de fidèles soutiens ce soir, et des philosophes et des chercheurs venus des quatre coins de la France et de pays beaucoup plus lointains. Mais avant de démarrer cette soirée, je voudrais remercier avant tout le gouvernement princier pour son soutien, et en particulier la direction des affaires culturelles et la direction de l'éducation nationale. Les Rencontres philosophiques de Monaco font partie d'une politique culturelle et d'une politique éducative. Et c'est quelque chose d'absolument unique que d'avoir voulu donner cette place à la philosophie à Monaco. Je voudrais aussi remercier tous les membres du jury qui sont ici ce soir et ceux qui n'ont pas pu être là, qui sont un socle et un pilier pour les Rencontres philosophiques. Mais aussi, je voudrais remercier du fond du cœur l'équipe de choc qui a permis de mettre en place cette semaine, tant au niveau de l'organisation que du digital. Et je voudrais remercier Laura Hugo, Gary Gillet, Elie Sayeta, Céline Gourvest, Ludovici, Céline Forest, Céline Vaquier, Florian Broker, Zoé Mojon-Deuillard et nos stagiaires Jocelyn, Elisa, Matteo, Liam et Julia. Car sans eux, on ne pourrait pas avoir organisé une semaine aussi dense et intense et riche en discussions et en rencontres. Et nous avons aussi pu, tout au long de l'année, innover, organiser de nouvelles modalités de rencontres avec la philosophie. Et nous avons, en avril dernier, organisé le débat des générations futures autour du thème de la liberté. Et nous avons impliqué plus étroitement les lycéens et leurs professeurs, que je voudrais remercier aussi ce soir. Nous avons également aussi cette année développé des groupes de réflexion au sein du Centre hospitalier Princesse Grâce et en entreprise avec la direction des ressources humaines. Et à travers ces nouveaux projets, nous avons pu voir à quel point la philosophie est une pratique concrète et accessible à tous. Mais aussi, je voudrais, avant de terminer ce petit discours, évoquer un moment fort et important de cette année, où le 28 mars dernier, nous avons organisé à la Maison des Océans à Paris une soirée de solidarité avec le peuple ukrainien et de soutien aux chercheurs et aux chercheuses et aux étudiants victimes de la guerre. Nous nous sommes associés pour cela au programme PAUSE du Collège de France, dont la finalité est d'accueillir ces chercheurs et ces chercheuses dans les établissements français. Et je voudrais encore dire haut et fort ce soir notre solidarité avec les Ukrainiens, et que cette guerre nous atteint tous, car elle porte atteinte aux principes sur lesquels la démocratie s'est fondée. Et nous assistons à un périlleux tournant historique. Et nous ne devons pas relâcher nos efforts pour défendre une certaine idée de liberté et de la dignité, et engager notre responsabilité chaque jour pour endiguer les discours de haine et la désinformation généralisée. Et nous avons ce soir l'honneur et la chance d'avoir parmi nous le philosophe Constantin Sigov, qui dirige le Centre européen de l'Université de Kiev. Et son courage
son élégance, son engagement intellectuel ont été une leçon de vie pour nous tous. Et nous avons voulu le soutenir dans sa résistance et son travail de recherche en diffusant ses écrits, ses prises de parole et en l'invitant à participer à nos initiatives au sein des rencontres philosophiques de Monaco. Je voudrais donc inviter Constantin Sigoff à mes côtés ici ce soir pour vous dire quelques mots sur la situation en Ukraine que nous ne devons pas oublier avant de démarrer cette cérémonie de remise des prix. Je suis très ému et merci le socle et le pilier des rencontres philosophiques de Monaco. C'est vrai que les rencontres philosophiques de Monaco m'offrent une occasion tout à fait unique de vous dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, que pendant des longues journées, des semaines et des mois de guerre, vous m'avez aidé à ne pas perdre le don de la parole. C'est au sens propre que le danger d'aphasie s'éloigne de moi telle une ombre, à l'heure où, malgré tous les obstacles, nous poursuivons notre conversation. Merci aussi à votre site web des rencontres philosophiques d'accueillir mon blog. Quand nous étions sous le feu à Kiev, il fallait éteindre la lumière dans toutes les pièces. L'obscurité du temps des guerres fait perdre le sens des symboles essentiels, la lumière et le ciel. Fermer le ciel au-dessous de nous. Les dizaines de millions de voix le demandent jour et nuit depuis 24 février sur les territoires du plus vaste pays d'Europe. Pour la première fois cette année, j'ai traversé hier la frontière qui sépare mon pays, l'Ukraine, de la Pologne et de l'Union européenne. Cette frontière marque aujourd'hui le rideau de fer qui sépare notre ciel et notre terre des vôtres. Mais la solidarité est d'une toute autre nature et pour elle, nos frontières sont ouvertes plus que jamais. Si on souhaite se comprendre mutuellement, si on veut pouvoir entendre et être entendu, des nouvelles voies sont aujourd'hui ouvertes. C'est sur ce point essentiel que l'actuel rideau de fer se distingue du précédent. Malgré la guerre, malgré les bombardements, la cité de Kiev continue à vivre au plus profond de soi-même. Plusieurs centaines d'enfants sont nés au métro de Kiev pendant ce printemps. Qu'est-ce qui veut dire pour nous leur connaissance au sous-sol de la cité ? Jean Kilevitch aimait rappeler le courage et la vertu du commencement. Je viens de découvrir l'archipel des passions, l'ouvrage de Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori, offert tout à l'heure à moi par Laura Hugo. Merci. J'ouvre votre archipel, comme par hasard, sur le chapitre courage. Et je lis. Agir pour contre-corer tout ce qui tue la vie, entraver, mettre fin, ne serait-ce que momentanément, à des situations où la vie, celle de l'autre, est empêchée, entravée, avilie, humiliée, menacée de mort. L'acte courageux, qui n'est fait que pour être refait, ne donne aucune rente, contrairement à l'acte de lâcheté qui, une fois fait, inscrit à jamais le mal dans l'âme. Fin des citations. Nous sommes en train de vivre le temps des rafles dans la zone occupée. Plus d'un million de personnes ont d'ores et déjà été déportées d'Ukraine en Fédération de Russie. Dans ce nombre, des centaines de milliers d'enfants. Que faire pour protéger ces personnes déplacées contre l'humiliation et le lavage de cerveau? Comment les aider à ne pas perdre les faces? Comment, parmi les responsables européennes, qui a saisi l'importance centrale de cette question? Qui dira haut et fort qu'il s'agit d'une priorité? C'est en effet la plus monstrueuse déportation en Europe depuis le début du XXIe siècle.
comment les enfants à l'Est et à l'Ouest de l'Europe vont lire l'histoire de notre décennie. La guerre actuelle en Europe a déjà apporté des profonds changements qui vont orienter le destin des hommes et des pays dans l'histoire du XXIe siècle. Il n'est fait aucun doute que l'année 2022 marquera un tournant dans le développement de toutes nos sociétés. La résistance ukrainienne fait désormais partie de la vie des habitants de tous les pays d'Europe sans exception. Comment cela se passe et où cela nous mène ? Ce sont des questions essentielles pour notre avenir. Pourquoi, dans les villages de vos campagnes, où jamais auparavant on n'a jamais entendu parler d'Ukraine, voit-on aujourd'hui flotter les drapeaux ukrainiens ? En vertu de quoi, chez les gens simples, une vague nouvelle de solidarité des ébranlés a renversé les barrières habituelles de l'indifférence ? Par quelle décision et par quelle démarche concrète nous opposons-nous à l'inhumanité, à l'inhumain ? Comment la tragédie qui frappe la vie des uns ouvre-t-elle les yeux des autres personnes sur la banalité du mal, qui, avant cela, ne heurtait pas leur conscience ? Pourquoi le conformisme d'hier a-t-il cessé d'être confortable, même pour ceux qui, sont trop longtemps, avaient adopté la politique d'autruche ? Même ceux qui ne pensaient pas à l'habitude du progrès, qui s'est considéré pessimiste, demandent aujourd'hui avec étonnement comment cela est possible au XXIe siècle. Bref, je conclus à dire que sur ces questions, je veux entendre vos réflexions et je vous remercie encore de la possibilité que vous m'avez offerte d'être parmi vous et parler avec vous. Merci. Thank you.
Merci infiniment, chère Carole Beffa, pour cette deuxième improvisation, inspirée du chemin de Constantin Sigov et de l'expérience de la guerre en Ukraine. Constantin Sigov vient d'arriver de Kiev, où il réside habituellement avec sa famille. Sa voix doit être entendue. Elle atteste la résistance de la pensée à tout ce qui voudrait l'annihiler et la faire se détruire sous les décombres. Les rencontres philosophiques de Monaco lui ont proposé de tenir un carnet librement accessible sur notre site, dans lequel, à son invitation, figureront également les textes, vidéos, audio et dessins de contributeurs, amis, restés en Ukraine. Il continuera de témoigner, via notre site aussi, de l'épreuve que l'Ukraine traverse actuellement. Les rencontres philosophiques de Monaco ont organisé un appel aux dons pour soutenir les intellectuels, les chercheurs, les enseignants et les étudiants victimes de la guerre. Vous trouverez les informations sur le site philomonaco.com et nous avons prévu une boîte à l'entrée du théâtre pour vos dons. J'ai le plaisir maintenant d'inviter Divya Dvivedi sur scène. Elle est philosophe et écrivaine, professeure à l'Institut indien de technologie de Delhi. Elle est la directrice et la cofondatrice de la revue internationale en ligne Philosophy World Democracy. Jean-Luc Nancy a disparu le 23 août 2021. Divya a été très proche de lui. Nous lui avons demandé de lui rendre hommage. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur d'une grande amitié et d'une profonde responsabilité de faire entrer dans nos pensées ce soir Jean-Luc Nancy. Nancy était parmi les plus grands philosophes du XXe et XXIe siècle, un formidable lecteur de la philosophie grecque, des scolastiques, de Descartes, de Kant, de l'idéalisme et du romantisme allemand, de la phénoménologie, et aussi un expert de l'histoire de l'art en Europe et de la théologie et des religions. Heidegger a résumé la vie d'Aristote en une phrase. Il est né, il a pensé, il est mort. Et tout le reste n'est que pure anecdote. Mais la vie de Nancy était véritablement singulière, plurielle. Sa vie et ses écrits étaient traversés par le partage des voix, des pensées, et du toucher des autres. Des écrivains comme Joyce, Clarice Lispector et Conrad Aiken, des musiciens comme Dalida, des cinéastes comme Claire Denis et des amis et des collaborateurs comme Philippe Lacoulabarthe, surtout, et Derrida. Il a répondu avec un sens d'urgence à toutes les crises, que ce soit la catastrophe de Fukushima, les guerres, les réfugiés, la pandémie. Son être singulier pluriel a explosé avec une énergie spectaculaire, malgré les maladies atroces qui ont suivi sa greffe cardiaque et son cancer. Cette exubérance rayonnée dans son amour du jeu au théâtre et au cinéma, et dans ses créations poétiques depuis sa jeunesse, dans ses rires et ses plaisanteries, dans son espièglerie, et son investissement du toucher dans tous les recoins de la vie contemporaine, les nouveaux médias et les technologies numériques, et surtout dans ses amitiés et ses solidarités. J'ai rencontré Jean-Luc pour la première fois il y a plusieurs années par l'intermédiaire de Shaj Mohan, qui entretenait une amitié philosophique avec Nancy depuis deux décennies. Ils avaient échangé leur passion philosophique ainsi que leurs désaccords, notamment en ce qui concerne l'un en métaphysique. Et pour moi, cela a commencé par une préoccupation commune pour la voix et l'existence en philosophie, en littérature et en politique. Quand j'ai été attaquée par l'extrême droite en Inde, Nancy était là pour me
conseiller, me soutenir et même écrire publiquement pour me défendre. Ce qui nous a liés dans une collaboration est une amitié impossible. C'est la passion de la déconstruction qui, parce qu'elle déconstruit la famille, l'amitié et la fraternité elle-même, a fait de nous la famille impropre, étrange et bâtard de la déconstruction. Nancy a vécu et porté la tradition de la déconstruction de la tradition, en révélant qu'elle était la tradition de la transgression, dans les deux sens du génitif, c'est-à-dire la transgression qu'est la déconstruction elle-même et la sortie au-delà de la déconstruction. Nancy a pratiqué un double soin, celui qui suspend tous les mots-clés de l'histoire de la métaphysique, essence, sujet, volonté, substance, nature, histoire et surtout homme, et qui donc suspend leur violence constitutive puisque ces termes, dans leur forme canonique, ont organisé et fermé les relations explosives entre toutes choses. Comme il disait, il faut d'abord que soit défait tout ce qui prétendait à la vérité sur la nature, sur le sens ou sur la destination de l'homme. C'est l'audace de Jean-Luc Nancy qui l'a conduit à récupérer certains termes tels que existence, création, sens, venue, communauté, anastasis, de la philosophie et de la théologie, après avoir précipité leur autodéconstruction. L'autodéconstruction a permis à Nancy de dépasser la déconstruction derridienne qui avait pour seule demeure, de manière affirmative et aporétique, la langue et le texte de la métaphysique. Ainsi, Nancy a trouvé que le monde, dans son existence nue et insensée, exerce une pression et une pulsion dans toutes les choses, et qui à la fois génère, évacue et dépasse leur signification. Je cite « précédence de la présence en soi, surprise d'une venue sans nécessité, advenante, prévenante et survenante, la venue du monde qui est aussi bien la venue au monde. » Ainsi, la venue ou la pulsion porte à leur autodéconstruction les grands schémas qui organisent les significations et les relations de monde. C'est pourquoi Nancy a tenu la philosophie et la politique pour inséparables, tout en évitant assidûment toute ontologisation de la politique qui risquerait d'inscrire notre être avec dans une thèse sur l'être. Et sa définition de la politique est « politique serait le tracé de la singularité, de sa communication, de son extase ». C'est aussi pourquoi Nancy s'est sentie obligée de se lancer dans une autre enquête sur l'histoire de la philosophie et le concept même de l'histoire. Dans plusieurs textes, notamment « Le banalité » de Heidegger, Nancy a interrogé l'histoire de l'être chez Heidegger. Il a trouvé que le moteur de ses apories était le douloureux processus d'autoconstitution du sujet de l'histoire, voire de la philosophie dans son identité occidentale, et que ce processus comportait aussi sa propre déconstruction. Et c'est-à-dire que chaque oscillation dans ce processus subissait l'avènement de l'autre, de l'allô, reprenant ainsi les recherches de Levinas et de Derrida. Au-delà de ces souvenirs, ce qui de Jean-Luc Nancy vit en moi, en nous, c'est une grave responsabilité. Nous étions furieusement conscients et nous discutions constamment ensemble de la façon dont une époque de la philosophie se terminait, parce que le monde était entré dans une spirale de crise à laquelle les tendances autofondatrices de la philosophie avaient contribué. Crise qui fournissait également aujourd'hui de la philosophie, les conditions extérieures pour la marginalisation de la philosophie elle-même. Dans ces derniers mois, Nancy a initié avec Chadj et moi le projet intitulé « L'autre commencement de la philosophie »,
pour que la philosophie puisse être émancipée des conditions inaugurales d'une histoire heideggerienne, libre de l'enfermement dans ses identités étroites, et qui reprendrait les questions qu'elle avait abandonnées à la religion et à la science. Dans le cadre de notre projet, Nancy a écrit son dernier article intitulé « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée », dans lequel il nous demandait « Allons-nous nous tenir face à l'intenable ? Ou bien, allons-nous continuer à nous satisfaire de notre pauvre autonomie philosophique ? Ou bien, pourquoi pas en finir ?» Nancy a donc exigé les raisons pour lesquelles il ne faut pas en finir. Audacieusement, il a affronté et résisté toute fin de la philosophie. Au lieu de cela, il a écrit dans ses derniers jours pour nous transmettre les ressources, les ouvertures, le courage pour un autre commencement. Nancy n'est plus, mais quelque chose d'autre ne fait que commencer désormais avec Jean-Luc Nancy. Merci. Merci beaucoup, Divya. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de retrouver notre lauréat 2021 pour ce qui est désormais une tradition sans « Qu'est-ce que la philosophie ?». Comme le texte du lauréat précédent, Vincent Delcroix, celui de Serge Audier sera également publié par les Rencontres philosophiques de Monaco. Serge Audier, donc, qui avait aux éditions La Découverte publié La cité écologique pour un éco-républicanisme. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement pour son Qu'est-ce que la philosophie ? Bonjour, merci à toute l'équipe des rencontres d'abord. Dans son traité élémentaire de philosophie à l'usage des classes, daté de 1879, Paul Janet, une sommité oubliée de la philosophie française, propose plusieurs définitions liées mais distinctes de la philosophie. En langage ordinaire, philosophe désigne un individu qui supporte avec courage, douleur et adversité et sait se conduire avec modération dans la prospérité. En un sens tout pratique, la philosophie, c'est donc la sagesse. Ensuite, un philosophe est un esprit curieux, difficile, qui ne croit pas légèrement à la parole d'autrui, mais s'en rapporte à sa propre raison, qui en un mot examine avant de juger. Ainsi entendu, la philosophie est le libre examen et donc la réflexion. Enfin, philosophe serait celui ou celle, mais pour Janet, manifestement, philosophe était au masculin, qui dans les divers ordres de connaissances s'élève plus haut que les faits, conçoit des rapports unis, classes, qui enfin généralisent ou remontent aux principes. Ainsi pourrait-on conclure, je le cite, que la philosophie est la sagesse fondée sur des principes acquis par la libre réflexion. Selon Janet, il y a aussi un sens technique ou scientifique qui conçoit la philosophie moins comme une pratique ou une disposition intellectuelle que comme une véritable science et même une science supérieure. La science serait la recherche des causes et des lois, et la philosophie, dépassant les découpages disciplinaires et thématiques, serait, je le cite encore, la science de ce qu'il y a de plus général dans toutes les autres, la science des conceptions fondamentales de l'esprit humain, la science de l'être en tant qu'être, la science des premiers principes et de premières causes, autrement dit ce qu'on appelle depuis Aristote la métaphysique. Telle serait la définition rigoureuse de la philosophie, conférant son assise à la définition populaire. Pourquoi ai-je commencé par cette définition très académique de la philosophie ? Parce qu'elle pourrait résumer, malgré tout, assez bien, je crois, ce qui a pu attirer vers la philosophie tant de jeunes esprits, parmi lesquels le mien. Et aussi parce qu'elle contient peut-être des prétentions, si j'ose dire globalisantes et exorbitantes, dont une partie de la philosophie contemporaine, sans renoncer à sa singularité par rapport aux autres disciplines, a su se défaire. Janet était un disciple de Victor Cousin, pilier de l'université française, disciple introducteur ou vulgarisateur de Hegel,
connu et parfois vilipendé comme doctrinaire de l'éclectisme, une philosophie de la vérité par réconciliation des contraires. À son tour, Janet pense qu'un savoir vrai suppose une synthèse supérieure, y compris entre le savoir méta ou suprascientifique, c'est-à-dire pour lui la philosophie, la connaissance scientifique et le sens commun. Puisque m'a donc été proposée cette lourde charge de dire à mon tour ce qu'est la philosophie pour moi, j'esquisserai d'abord un récit. Une démarche qui, dans la philosophie moderne, remonte au moins au discours de la méthode de Descartes. Pardon pour cette référence écrasante, mais comme a dit Woody Allen à propos de Dieu, il faut bien prendre modèle sur quelqu'un. La quête d'un savoir totalisant par conciliation des contraires m'a donc d'abord animé et éclaire une de mes premières passions philosophiques, celle de Hegel. Un Hegel peut-être en partie imaginaire sur lequel j'avais projeté mes propres aspirations. Mais attaché également à l'idée, en partie contradictoire, qu'une vie libre et examinée est une vie philosophique, j'avais tôt aussi adopté l'idée de la philosophie comme sagesse, plus que comme savoir totalisant. Les années 80 où je me formais, sur fond d'éclipse des grands récits, le progressisme marxiste surtout, furent marquées par une petite renaissance des sagesses antiques, que je découvrais avec d'autant plus de fascination qu'elles entraient en résonance avec mes inquiétudes. Comment ne pas gâcher sa vie dans des projets vains, la carrière, la réputation, l'accumulation, le conformisme, que sais-je encore? Comment ne pas être happé par le temps qui passe si vite? Comment parvenir à une maîtrise de soi? Je garde encore ma vieille édition de Sénèque, de la brièveté de la vie, préfacée par l'historien Paul Venn. À l'époque, à la fin des années 80, j'ignorais tout de l'intérêt du dernier Michel Foucault pour ce corpus des sagesses antiques que Venn avait accompagné. Mais j'avais suivi quelques cours de Pierre Hadot au Collège de France. Je me souviens d'un cours de ce monsieur si gentil sur les nuits attiques d'Olugel. Je crois avoir compris alors une thèse désormais attachée au nom de Hadot. Une bonne part de la philosophie antique relève d'une pratique très spécifique, principalement orale, qui, contrairement à la philosophie moderne, ne vise pas à la rédaction d'un système de connaissances totalisant. Par une série d'exercices spirituels, il s'agit plutôt de transformer la relation du sujet à lui-même, aux autres et au monde. Bien sûr, on peut considérer que Hadot a parfois exagéré cette spécificité pratique de la philosophie ancienne, dont l'ambition théorétique et scientifique est souvent considérable. Et puis, si parmi ces sages, Épicure est vite devenu un de mes héros philosophiques définitifs, c'était aussi en raison de son audace à défier les dogmes établis et les superstitions. Épicure, dont les doctrines seront connues de Machiavel par le biais de Lucrèce, qui sera ensuite admiré par Marx, et dont Nietzsche aimera se recueillir à Rome sur le buste énergique, Épicure incarnait le courage et l'imagination de la pensée. Et cette dimension héroïque du legs de l'épicurisme allait bien au-delà de la seule sagesse au sens commun du mot. On sait d'ailleurs avec quel sarcasme Nietzsche, encore lui, dénonçait le mensonge de ces stoïciens qui prétendaient vivre en accord avec la nature. Nous en arrivons à une deuxième dimension de la philosophie mise en avant par Janet, libre examen et réflexivité. Dans un article de 1866 consacré à la liberté de penser, le même Paul Janet considère que le héros et le héros dans les deux orthographes du libre examen est bien sûr Descartes et son précepte « On ne doit reconnaître pour vrai que ce qui paraît évidemment être tel, c'est-à-dire que l'esprit aperçoit si clairement qu'il est impossible de le révoquer en doute. » Pour ma part, je suis d'abord venu à cette philosophie du libre examen à partir des Lumières et d'une certaine culture politique démocratique et républicaine. Il y a bien sûr, comme des historiens l'ont souligné encore récemment, des Lumières grecques. Mais une de mes toutes premières lectures marquantes fut celle de l'ouvrage « La philosophie des Lumières » de Ernst Cassirer. Sans mesurer alors assez la portée politique de ce livre, Cassirer l'avait écrit dans une république de Weimar à l'agonie, avant le cataclysme nazi qu'il avait dû fuir pour sauver sa dignité et sa peau, je restais émerveillé par son récit de la diffusion de l'exigence de critique, de libre examen et de quête du vrai, grâce notamment à Pierre Bayle sur les questions religieuses et historiques. M'émerveillait surtout la centralité accordée par Cassirer au fameux texte de Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», sans savoir alors non plus à quel point il avait fasciné Foucault, l'un des premiers recenseurs du livre de Cassirer. Que les Lumières au siècle des philosophes, siècle de la critique de l'absolutisme, de l'arbitraire judiciaire, du cléricalisme et des superstitions, consistent à avoir le courage de se servir de son propre entendement et de s'émanciper de toutes les tutelles du prêtre au médecin, voilà qui constituait un programme enthousiasmant et à actualiser éternellement. Plus largement, avec Cornelius Castoriadis et avant lui Karl Popper,
la naissance de la philosophie entretient pour moi un lien profond, quoique souvent non explicite, avec l'avènement d'une société ouverte, dans laquelle les institutions et les lois ne découlent pas de la tradition ou de la transcendance religieuse, mais d'une délibération critique ouverte à tous. Enfin, qu'en est-il de la recherche des principes ultimes de la science ? Paul Janet, je l'ai dit, mobilisait Aristote, selon lequel savoir, c'est connaître par la cause. Certes, je l'ai dit, le projet cher à Janet d'une science de ce qu'il y a de plus général dans toutes les autres a pu un temps me séduire. Mais pour un apprenti philosophe des années 80, formé dans un milieu scientifique, le projet apparaissait trop grandiose et trop daté. En définitive, ce qui me frappe dans cette définition de la philosophie par Paul Janet, c'est son choix qui n'a rien d'inéluctable d'ériger la philosophie en trop belle reine de toutes les disciplines, de tous les savoirs, de toutes les pratiques, voire de toute la société. Prétention multiplement exorbitante d'une position de surplomb, qui me semble avoir été irréversiblement dynamitée par l'aventure spécifique des différents savoirs, des différentes pratiques et par les bouleversements démocratiques de la société. Reste que le deuil de la philosophie comme savoir totalisant et surplombant ne signifie pas le deuil de la philosophie et de la métaphysique comme telle. Ce renoncement ne signifie pas non plus, à mes yeux, que la philosophie doive se replier sur les seules questions normatives, sur ce qui doit être, aussi fondamental que soit bien entendu cette dimension. Par exemple, la philosophie des sciences comme discipline ou comme pratique, pas besoin de s'appeler philosophe pour l'être, a beaucoup à apporter en termes de réflexivité et d'interrogation sur la portée ontologique, le sens et les conséquences sociales ou écologiques des nouveaux savoirs. Et puis bien sûr, la philosophie avait et a tant à apporter encore pour dissiper les débats confus autour de mots confus, pour reprendre la définition provocatrice de Wittgenstein, indiquer ainsi à la mouche la sortie de la bouteille où elle s'est fourvoyée. Bref, le projet d'un savoir totalisant des principes ultimes devait être révisé pour moi à la lumière de toute une série de perplexités, de tensions et de contradictions. Revenons en effet au contexte des années 1980-90. Faire de la philosophie politique à cette époque, c'était se confronter à la question communiste et totalitaire, du moins selon moi. Or, avec les philosophes de l'antitotalitarisme, comme Claude Lefort, ou du pluralisme, comme Isaiah Berlin, je me suis convaincu non pas qu'il fallait renoncer à l'utopie d'une autre société, mais qu'il fallait se libérer du rêve ou du cauchemar d'une bonne société, sans contradiction, sans dilemme tragique, sans division, sans conflit d'intérêts et de valeurs ultimes. Un rêve qui a été récurrent dans la pensée sociale et politique, et plus largement dans la philosophie. D'autres tensions m'invitaient à réviser ma conception de la philosophie. Il y avait d'abord la tension déjà évoquée entre une philosophie de l'émancipation individuelle, Épicure notamment, et une philosophie de l'histoire, j'ai évoqué Hegel. Me restait comme un avertissement les diatribes de Nietzsche contre les philosophes de la métaphysique occidentale qui n'ont aucun sens historique. Enfin, un autre conflit psychique plus personnel me travaillait entre ce qui comptait et compte encore suprêmement pour moi, l'expérience et la pratique de l'art, et la trop fréquente prétention de la philosophie à se situer au sommet des savoirs et des pratiques, à détenir le monopole de la vérité. Aussi, plus encore que le travail philosophico-politique et philosophico-historique de Foucault, c'est celui de Merleau-Ponty qui m'a aidé finalement à affronter de telles contradictions. Non pas pour faire le deuil, une fois de plus, de la philosophie, mais pour réactiver son sens et sa portée comme activité interrogative. Méditer Merleau-Ponty est un des meilleurs antidotes aux illusions du point de vue de survol, comme il l'appelle, sur le monde vécu, sur la nature, sur les savoirs et la diversité des expériences, et aux illusions, bien sûr, de toute une série de dualismes, à commencer par celui entre le corps et l'esprit. Ce que je crois avoir appris de Merleau-Ponty, c'est que les révolutions de la physique, de la biologie, de l'art et de la littérature moderne, de la linguistique et de la psychologie, de la psychanalyse aussi, sont à leur façon des expériences philosophiques de soi, des autres, du monde et de leurs entrelacements. Des expériences dont la discipline de la philosophie a beaucoup à apprendre et qu'elle peut contribuer en retour à comprendre et prolonger. En ce sens, la philosophie est le contraire d'une discipline fermée sur soi. Elle accompagne les savoirs positifs et les savoirs spéculatifs, les différentes expériences des autres et du monde, aimer, prendre soin, expliquer, calculer, jouer, échanger, regarder, faire et écouter de la musique, de la peinture, agir en politique. Elle ne prétend pas régenter le social et les luttes pour l'émancipation, parler à la place de ces pauvres ou de ces exploités, qui ne sont pas des catégories philosophiques. En revanche, de ces activités si hétérogènes et de ces luttes,
elle peut contribuer à élucider la portée ontologique, morale et politique. Et puis, Merleau-Ponty m'a aidé à sortir d'une certaine conception philosophique du sujet, et donc plus largement d'une philosophie, trop auto-centrée, trop monologique. Comme d'autres apprentis philosophes, mon tournant langagier et éthique autour de la vingtaine a correspondu à l'étude de philosophies qui ont radicalement transformé le paysage philosophique du XXe siècle. L'éthique du dialogue de Guido Calogero, peu connu mais majeur, qui anticipe l'éthique de la discussion de Jürgen Habermas, sans oublier la philosophie de Lévinas. Comme Calogero, ce grand spécialiste de Socrate, je pense que ce qu'il appelle la volonté d'entendre l'autre et de se faire entendre, je traduis ici littéralement « intendere » pour garder sa polysémie, car il faudrait dire « comprendre » dans une traduction plus normale, est fondamentalement donc une volonté éthique. Autrement dit, la relation éthique ne regarde pas une région disciplinaire de la philosophie, mais s'inscrit dans son geste originel, demeure son cœur battant. Une tension éthique vers les autres qui, chez Calogero, dépasse même la relation à l'humain, jusqu'aux animaux et au-delà. Et cette dimension fragilise une nouvelle fois l'irénique effort de conciliation de Paul Janet dans son traité élémentaire de philosophie. Ainsi, on peut être sage au sens trivial, sans entendre, entre guillemets, les autres, sans cette éthique inquiète du dialogue qui nous constitue comme sujets moraux, mais aussi qui nous constitue comme sujets démocratiques, tant il est vrai, comme disait Calogero, que la démocratie passe par les oreilles. Voilà qui me conduit à une des plus belles suggestives et à une des plus belles et à une des plus suggestives définitions de la philosophie, selon moi, que j'ai trouvée il y a 30 ans sous la plume de Hannah Arendt. Arendt a rédigé de profondes analyses, longtemps inédites, sur la figure de Socrate philosophe, dont le dialogue intérieur, le deux en un, fait vivre une forme de pluralisme interne où se noue le lien entre vigilance éthique et réflexivité, si tragiquement piétiné par les bourreaux du XXe siècle et par ceux de notre temps. Peut-être plus féconde encore est la définition qu'Arendt suggère dans les textes d'hommage à Karl Jaspers, philosophe de l'humanitas et de la dignité universelle par les sombres temps du totalitarisme. Permettez-moi de la citer. Karl Jaspers, rappelle d'abord Arendt, a vécu l'isolement mais non la solitude grâce au couple philosophique que son épouse et lui ont formé. Et elle ajoute, entre deux êtres humains, si leur lien ne les fait pas succomber à l'illusion de ne former qu'un seul être, un monde peut à nouveau apparaître, et pour Jaspers précisément ce bonheur, dans lequel il s'est entendu à intégrer et préserver son origine et celle de sa femme, la femme de Jaspers est juive, précise Arendt, n'a jamais été seulement quelque chose de privé, mais un monde en miniature, en français dans le texte, où il a appris comme d'un modèle ce qu'il en est des affaires du monde. Car à l'intérieur de ce petit monde s'est développé et exercé son aptitude incomparable au dialogue, la splendide exactitude de l'écoute, la constante disposition à s'expliquer, la patience de rester sur la question débattue, et davantage encore la capacité d'attirer dans l'espace du dialogue ce que l'on est enclin à taire, d'en faire quelque chose qui mérite qu'on en parle, et ainsi de transformer, d'élargir, d'aiguiser tout dans la parole et l'écoute, ou comme il dirait lui-même de la plus belle des façons, de l'illuminer. Ailleurs, Arendt souligne la portée chez Jaspers du concept de communication illimitée, comme fondement de l'unité de l'humanité. Elle signifie, je la cite encore, « la foi en la compréhensibilité de toutes les vérités et en une bonne volonté de parole et d'écoute, comme condition préalable de tout commerce humain. Il ne s'agit pas de dire, insiste-t-elle, que la communication est une réalité seconde et instrumentale par rapport à une vérité préalable. La vérité est elle-même communicative, et ce n'est que dans la communication, entre contemporains aussi bien qu'entre les vivants et les morts, que la vérité se révèle. » Pourquoi ce texte n'a-t-il cessé de me fasciner? D'abord parce que, contrairement à d'autres textes, Arendt associe ici tacitement dialogue philosophique et dialogue démocratique, qui suppose un espace public pluriel. Arendt parle ainsi d'un style jaspérien de pensée spatiale qui n'est pas assigné à un espace préalablement donné, puisque cet espace dialogique, précisément, il s'agit de le faire advenir par un dialogue illimité afin que puisse apparaître dans la lumière l'humanitas. Féconde est aussi cette articulation entre le dialogue illimité, dans l'espace et dans le temps, et l'humanitas, en référence à tout l'humanisme européen, depuis Cicéron jusqu'à Lessing, en passant par la Renaissance.
L'idée d'un dialogue entre les vivants et les morts n'est-elle pas d'ailleurs au centre d'une des plus grandes œuvres politiques de l'humanisme européen que Hannah Arendt admirait tellement, celle de Machiavel? Le Machiavel qui disait aimer sa patrie plus que son âme, Arendt traduira cette phrase chérie par elle, par l'amour du monde et le souci de l'humanité future. Et le Machiavel qui, dans son cabinet, dialoguait avec les auteurs de l'Antiquité, auxquels il posait des questions et qui, dans l'éternité de la pensée, lui répondait, comme le rappelle sa célèbre lettre à Vettori de 1513. À travers l'idée d'un dialogue entre les vivants et les morts, qui ne sera certes jamais l'équivalent du dialogue entre vivants, se joue une idée de la philosophie qui m'est chère et que j'ai essayé de pratiquer. Dialoguer avec le passé, c'est d'abord en effet se donner la possibilité de se déprendre de catégories présentes qui semblent aller de soi, mais qui recouvrent et occultent d'autres façons possibles de poser les problèmes et d'inventer de nouvelles solutions. C'est se libérer du narcissisme du présent. C'est aussi mieux comprendre ce qui, dans nos savoirs, nos convictions et nos pratiques, est le produit sédimenté du passé. C'est pouvoir procéder à un travail de redescription de notre vision du monde et de la société, et ainsi se donner la possibilité d'une réarticulation des éléments sédimentés, et, grâce à ce travail, d'une création de nouveaux concepts plus vrais et plus justes. Dans ce dialogue avec des œuvres ou des mouvements de pensée qui sont comme des institutions, grosses de tout un avenir, les morts, en un sens, continuent de nous parler. Et c'est grâce à eux qu'on peut penser différemment qu'eux, au-delà d'eux, et à l'épreuve de problèmes qui n'étaient pas les leurs, mais qu'ils peuvent contribuer à éclairer. Encore faut-il ne jamais perdre de vue que notre héritage n'est précédé d'aucun testament, et que c'est encore à chacun et à chacune, dans l'épreuve de l'incertitude et de la faillibilité, d'assumer sa parole philosophique et de la proposer aux autres, à leur critique comme à leur reprise et réinterprétation sans fin. Je vous remercie. Thank you.
très grand merci à Carole Beffa qui a su nous emmener en musique, inspirée par ces trois moments. Un grand merci aussi à Serge Audier pour son admirable « Qu'est-ce que la philosophie ?». Chers amis, nous passons à la seconde partie de notre soirée, celle justement où nous attribuerons nos prix 2022. Le prix lycéen, la mention honorifique et le prix pour un ouvrage. Et pour ce faire, je vais appeler sur scène mes amis et cofondateurs des rencontres, Charlotte Casiraghi et Robert Maggiori, ainsi que Madame le commissaire général chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Madame Isabelle Bonal. Robert, je te laisse nous parler du prix lycéen. Voilà, maintenant on passe aux choses vraiment très sérieuses. Donc le prix, on commence, le premier prix, c'est le prix lycéen. Dès que nous avons fondé les rencontres, il nous est apparu aussi clair que de l'eau de roche qu'il fallait avoir un rapport, un lien organique avec le lycée, avec les lycéens, les lycéennes, les professeurs. Et ça a été possible, évidemment, grâce à l'appui indéfectible, je crois, de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, des professeurs, et puis beaucoup de lycéens et lycéennes qui étaient venus écouter le soir les ateliers, alors qu'ils recevaient dans leurs cours les philosophes qui venaient parler ici directement dans leur classe. Donc le prix lycéen est une continuation de cette idée, une illustration de ce lien organique. Et il est attribué à la suite d'un concours de dissertation que beaucoup de lycéens et de lycéennes acceptent de faire, malgré tout le travail qu'ils ont par ailleurs, et grâce effectivement à peut-être aussi à l'énergie que leur donnent leurs professeurs, que je tiens ici évidemment à citer et à les remercier pour le travail, parce qu'ils rendent possible que cette chaîne puisse continuer à rouler. Donc je remercie au nom de tous ici Madame Nicolas Bécassis, Monsieur Octavio Serna, Monsieur Jean-Philippe Vinci et Monsieur Olivier Vemel, évidemment. Et je laisse reprendre la parole à mon ami Raphaël. Je vais juste remercier Madame Isabelle Bonal pour son soutien. Et Madame Bonal va nommer les 6 finalistes. Ah oui, donc, il faut improviser, il faut faire une petite danse. Bon. Voilà, ceci ne fait qu'accroître la tension, évidemment. Je les ai là. Bon, ben alors, c'était pas la peine que j'improvise. Je voulais égaler. Madame Bonal, venez. Alors. D'abord, donc, pardon, pour le lycée Albert Premier. C'est ici. Alors, Andrea Bolognesi, Étienne Billier, Venise Borde, Elia Eastwood. Ça, c'était pour le lycée Albert Premier. Pour FNB, Sacha Hon, Mathieu Dumortier. Alors, les deux lauréats du prix lycéen vont maintenant être annoncés par Charlotte Casiraghi. Et nous les attendons sur scène, évidemment. Carole, il fallait une improvisation. Il fallait une petite musique et tout, une petite... Alors, je vais faire monter les lauréats. Les deux lauréats du prix lycéen 2022 sont Andrea Bolognesi au lycée Albert Ier et Étienne Billier aussi au lycée Albert Ier. S'y attendait pas.
Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe pédagogique du lycée Albert Ier, en particulier mon professeur qui est là, donc M. Vinci, mais surtout ma classe entière et en général les élèves du lycée pour l'ambiance propice à l'enseignement et à l'apprentissage qui s'exprime et qui est présente tout au long des cours. Je pense que le fait qu'on ait le privilège d'avoir des professeurs si passionnés, en général d'une classe et des classes aussi dynamiques, c'est vraiment ce qui nous a permis d'être là ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis évidemment très heureux et très surpris de remporter ce prix. Je tenais bien évidemment à remercier mon professeur de philosophie de cette année, M. Wemmel, qui m'a fait découvrir cette matière extrêmement passionnante et qui m'a poussé à faire ce concours. Donc je le remercie très chaleureusement. Et je tenais également à féliciter tous les finalistes, les quatre finalistes et Andrea, mais aussi tous ceux qui ont participé à ce concours organisé par les Rencontres philosophiques de Monaco. Voilà, merci beaucoup. Chers amis, les Rencontres philosophiques de Monaco doivent leur existence même non seulement aux philosophes et aux intellectuels qui nous accompagnent, à son public si fidèle, mais aussi, et nous ne les oublions jamais, aux institutions qui nous soutiennent. Et surtout, remercier les personnes qui, dans ces institutions, répondent toujours présents à notre projet. J'aimerais prendre le temps de remercier ces acteurs de la vie culturelle pour leur infaillible et généreux soutien. Le gouvernement de la Principauté de Monaco, son ministre d'État, M. Pierre Dartout. La direction des affaires culturelles et son directeur, Mme Françoise Gamerdinger. La direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et sa directrice, Mme Isabelle Bonal. Le théâtre Princesse Grasse et son équipe. La direction de la communication, Mme Geneviève Berti. La Fondation Prince Albert II de Monaco, le Centre hospitalier Princesse Grasse, la chaire de philosophie à l'hôpital, la Direction des ressources humaines du gouvernement, le Comité pour le droit des femmes, l'Association Jeunes J'écoute, la Fondation Lanval, la mairie de Monaco, la Fondation Prince Pierre et son directeur, M. Jean-Charles Cureau, la médiathèque et en particulier Béatrice Novaretti, directrice, le pavillon Bozio, Thierry Levier et son équipe, Hauser & Worth, Laetitia Catoire et son équipe, le nouveau musée national de Monaco et son directeur, Björn Dahlström et toute son équipe, Monte Carlo, Société des Bains de Mer, Philosophie Magazine, Libération, Madame Figaro, Monaco Info, Mont Blanc et finalement notre partenaire, Chanel. Merci à tous encore pour votre soutien si précieux pour nous. Je souhaite maintenant donner la parole à Robert Maggiori, président du jury, qui présentera les membres du jury 2022. Voilà. Ben, les membres du jury sont assis devant vous, enfin devant nous plutôt, au premier rang. Et avant même de les nommer, je voudrais signaler, souligner plutôt l'immense plaisir qu'il y a à travailler avec eux. En raison de leur compétence infinie qui anime nos discussions et qui, à partir d'un certain nombre d'à peu près 200 livres au début de l'année, finit par aboutir à un choix de 5 ouvrages. Et nos discussions sont toujours extrêmement animées, parfois féroces, même s'il n'y a jamais de cris. Et pour nous, c'est un enrichissement effectivement constant. Donc je voudrais d'abord citer ceux qui, hélas, n'ont pas pu venir, c'est-à-dire Paul Audi, parce qu'ils étaient atteint de quelque chose, Marc Crépon, Judith Revel, qui malheureusement n'a pas pu être là, et saluer chaleureusement, et je vous demande même de les applaudir chaleureusement, Isabelle Alfandari, et ouais, voilà, je répète, oui, ça c'est des erreurs de casting, ça je ne devrais pas parler pendant qu'on applaudit, Isabelle Alfandari, Étienne Bimbenet, Catherine Chalier, Sandra Logier, Claire Marin, Géraldine Lunemann, Camille Riquier, Patrick Sabidon. Merci beaucoup à tous.
L'invention honorifique est décernée à un éditeur de langue française qui se sera particulièrement illustré dans la publication d'ouvrages philosophiques notables ou qui aura ouvert, animé et fait vivre des collections spécifiques de philosophie avec des textes novateurs ou classiques. Robert va nous annoncer la mention honorifique 2022. C'est un sketch, là, en fait. Oui. Eh bien, cette année, le prix de la mention honorifique est attribué aux éditions La Découverte. J'allais dire, pour l'ensemble de l'œuvre de cette maison d'édition qui publie des textes vraiment pour penser au plus près toutes les transformations du monde à travers le regard de chercheurs très originaux parfois, de travaux critiques de chercheurs et chercheuses qui sont soit reconnus, même à l'étranger, soit en devenir, parce que très souvent ils donnent place à des jeunes auteurs. Donc le catalogue est principalement dédié évidemment aux sciences humaines et sociales, ainsi qu'aux essais et documents. Voilà, j'invite Pascal Iltis à lire le discours de la directrice, de la présidente des éditions La Découverte, Madame Stéphanie Chevrier, et il sera lu par Pascal Iltis, qui dirige l'ensemble du service de presse et de communication des éditions La Découverte, que j'ai la chance de connaître depuis que je suis critique littéraire, c'est-à-dire il y a très très longtemps. On était tout petits, on sortait à l'école maternelle. Bonsoir à tous et à toutes. Ben, on est évidemment très heureux et c'est au nom de toute l'équipe de La Découverte de Stéphanie Chevrier qui aurait vraiment voulu être là et malheureusement ce n'était pas possible que je remercie les membres du jury, les animateurs, les animatrices des rencontres pour ce prix. Vous dire aussi quelques mots de la surprise qui fut la nôtre à La Découverte lorsque nous avons appris que nous serions consacrés cette année par la mention honorifique. Et ça nous a presque envie de vous la retourner, cette mention, pour souligner, tout en s'en réjouissant, l'audace de ce choix. Parce que la philosophie, il faut aussi parfois la chercher à La Découverte. Elle ne s'y révèle pas facilement. Nous ne sommes pas en effet une maison où la philosophie est à ses aises, où elle se déploie sereinement dans ses aires de prédilection. Elle est représentée par des auteurs, des autrices emblématiques de son histoire ou de ses canons, mais elle n'est pas, voilà, elle ne s'impose pas totalement. La philosophie dans notre catalogue négocie sans cesse ses territoires, elle est souvent malmenée, en dialogue ou en négociation permanent avec d'autres disciplines ou d'autres manières de penser. Elle y est parfois impure, souvent en mode mineur, mais aussi entêtante, comme des infrabasses structurantes, mais peu perceptibles à l'oreille inattentive. Cela apparaît évident lorsqu'on dresse une première liste des auteurs ou autrices maison qui, d'une manière ou d'une autre, sont reconnus comme philosophes. Achille Mbembe, Bruno Latour, Hartmut Rosa, Isabelle Stengers, Sandra Laugier, Pierre Dardot, Judith Butler, Vinciane Després, qui a été la première lauréate du prix, Serge Audier, lauréat de l'année dernière, est présent, Mathieu Crawford, Pierre Charbonnier, Elsa Dorlin, Grégoire Chamaillou et bien d'autres font en effet avec la philosophie plutôt que de la philosophie. La place des sciences sociales, l'importance de l'approche empirique, le rôle joué par la politique dans l'histoire de la maison, tout cela a engendré un recours oblique à la philosophie. Cela apparaît aussi nettement si on pense en termes de collection, avec les empêcheurs de penser en rond, zone, théorie critique, ou plus loin, pour les plus anciens, Armillaire, par exemple, qui sont nourris de philosophie, mais en la soumettant en permanence au feu de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie et de la linguistique. Mais recevoir le prix cette année, c'est aussi un très beau signe, parce qu'en août prochain, pour répondre à ces lignes floues mais fécondes et pour donner un lieu d'accueil plus explicite à la philosophie, nous allons lancer une collection qui s'appellera Terrain philosophique, qui sera dirigée par Yves Citon et Mathieu Pot-Bonneville. Soit une philosophie qui va se frotter au terrain, se salir au pourtour, se laisser chahuter par des études de cas, loin de sa puissance spéculative supposée, de sa tour d'ivoire de papier. Bref, il en fallait de l'audace à ce prix de philosophie pour voir de la philosophie dans ce qui n'en est pas, en tout cas pas au sens strict. Et encore un grand merci. Donc, le moment est donc venu. Nous révélerons dans quelques minutes le nom du lauréat ou de la lauréate du prix de philosophie 2022. Je te redonne la parole, mon cher Robert.
Avant de révéler le nom, 5 minutes, lancez la pub, on va passer. Non, je déconne. Bon, le prix, effectivement, le prix de la. Ce prix nous est très très cher. C'est-à-dire qu'on y a pensé tout de suite, dès qu'on a fondé les rencontres, qu'il fallait récompenser un livre de philosophie. D'abord, on avait eu l'idée de. Peut-être une idée surdimensionnée, d'insuffler un peu d'énergie dans l'édition philosophique, de pousser les éditeurs à continuer à publier des ouvrages de philosophie. Puis c'est avéré, en fait, on avait discuté, je me souviens, en rigolant, qu'il n'y a pas de prix Nobel de philosophie. Et on s'est dit, on va faire un prix Nobel, puis après, c'était un petit peu trop. Et donc, on s'était dit, on va constituer un jury qui représente des diverses disciplines de la philosophie, morale, politique, plus proche de la psychanalyse, plus proche de la sociologie ou l'anthropologie. Et on va vraiment faire sérieusement le choix de choisir un vrai livre qui est paru dans l'année qui précède la décision, après lecture, après élimination systématique, parfois douloureuse, de livres qui ne correspondent pas peut-être à certains critères, des livres peut-être un petit peu trop, disons, réservés à des spécialistes, avec beaucoup de documentation ou d'appareils de notes, et puis d'éliminer aussi des livres qui n'ont aucune note, aucun sérieux, aucune rigueur, et de chercher à délimiter un livre qui peut toucher, qui peut ne pas être critiqué par celui qui connaît tout de la question, et qui peut être accessible à celui qui ne connaît rien à la question. C'est-à-dire de faire quelque chose qui permettent d'être saisi et de favoriser la réflexion philosophique. Donc jusqu'ici, nous croyons ne pas nous être trompés dans nos choix. Et donc maintenant, nous allons révéler le nom. Non. Mais non, c'était juste pour ça. Comme je craignais que tu dises ça. Oui, c'est un père pour moi. En fait, okay, donc en fait là, nous allons visionner une courte prise de parole. C'est ça que j'aime. Chaque finale. Mais c'est ça que j'allais dire. Mais bien sûr que si. I found myself worrying that if we respond to violence with violence, then we only create a more violent world. So my book is a plea to create a less violent world. Nonviolence is not necessarily a position of passivity, and it is not the same as pacifism. There must be a response to violence, and it can be aggressive, it can be forceful, it can be physical. But the question is always there. Is one reproducing the violence that is done to one, in which case it is revenge, or is one blocking violence through force in order to stop an aggression of an illegitimate and violent kind with an aggression that is forceful and seeking to put an end to violence? I think that if we approached the question of violence and nonviolence through this idea of social interdependency, we would understand better why nonviolence is an important, if not imperative, philosophy. Un corps à soi, c'est la suite de La Révolution du féminin, qui est un ouvrage dans lequel je m'interrogeais sur la curieuse disparition du corps des femmes dans la pensée féministe, ou tout du moins une certaine propension à le considérer comme n'étant que le lieu de la domination masculine. J'ai voulu dérouler, un peu à la façon de Simone de Beauvoir, le fil de l'existence des femmes, de la naissance jusqu'au grand âge, et je me suis arrêtée à ce que j'appelle les nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire tous ces moments où, dans la vie des femmes, un bouleversement corporel, une transformation corporelle produit simultanément, alors un ébranlement intime, existentiel, bien sûr, mais aussi des transformations sociales, notamment dans les représentations, et enfin des aspirations en termes de droit, c'est-à-dire en fait des aspirations politiques. Le féminisme phénoménologique permet de sortir de la binarité, différentialisme, universalisme, parce qu'il pense le corps des femmes, bien sûr comme un lieu de domination, mais aussi comme un vecteur d'émancipation. Si l'on voulait définir ce qu'est le féminisme, je crois que l'on peut dire que c'est faire advenir une société où les femmes ne soient plus définies par leur corps. Je voulais prendre le temps de l'écriture, mais aussi le temps du livre, pour vraiment ouvrir ce concept de consentement, voir ce qu'on pouvait en faire, voir comment il marchait,
voir ce qu'on pouvait légitimement en attendre et voir s'il avait une portée émancipatrice, si on pouvait réussir une émancipation de nos vies sexuelles avec ce concept. Je pense que du coup, ça veut dire qu'il faut d'abord faire une analyse en termes de philosophie morale et politique, et surtout de philosophie morale, de savoir comment on agit, pourquoi on agit, comment on devrait agir, avant de se poser la question de ce que l'État devrait faire par rapport à ça. D'une certaine manière, il y a une réflexion de philosophie normative à faire avant de réfléchir à la place du droit. Je pense que c'est une erreur de croire que tout sexe autorisé est du bon sexe. Est-ce qu'on a raison de penser que le sexe est en dehors de la moralité? Je pense que ce n'est pas le cas. À quoi ça ressemble de respecter les autres dans les rapports sexuels qu'on a avec eux? Et ça, je pense que c'est vraiment une question importante. Remettre en cause le thème selon lequel la honte serait nécessairement une passion triste, inutile, vaine, nocive, quelque chose dont on devrait se débarrasser nécessairement pour pouvoir enfin respirer, être pleinement émancipé. La honte comme sentiment d'une impossible indifférence. C'est-à-dire ces abus, cette iniquité, ça me fait quelque chose, quoi. C'est un marqueur affectif de ma solidarité avec ce qui se passe. C'est vraiment une colère et une colère liée à l'impuissance. Je me mets à la place de l'autre. C'est ça l'imagination aussi. Quelqu'un se fait humilier devant moi et j'ai honte pour lui. Qu'est-ce que c'est que l'art ? L'art, c'est ce qui fait honte à la vulgarité, à la facilité. Et qu'est-ce que c'est que la philosophie, sinon ce qui fait honte à la bêtise ? Je me suis rendu compte que l'équipement mental dont on avait hérité culturellement était très particulier, à savoir qu'il avait secondarisé le monde vivant, qui lui avait accordé une importance moindre, en nous apprenant surtout à le regarder comme un décor. Ce livre est né du désir d'essayer de construire une place pour l'histoire de l'art dans ce cadre de problèmes, à savoir à la fois d'avoir ce retour critique sur la sensibilité dont on hérite, et aussi d'essayer d'enrichir notre sensibilité au monde vivant pour aujourd'hui. L'enjeu, c'est pas tellement de changer notre représentation abstraitement du monde ou d'essayer de l'imposer moralement, mais essayer d'inventer des gammes de relations qui justement nous fassent nous déplacer et créent cet intérêt pour le monde vivant. Je vais répéter les noms des cinq finalistes. Judith Butler, La force de la non-violence, chez Fayard. Camille Froidevaux, Maîtrie, Un corps à soi, au seuil. Manon Garcia, La conversation des sexes, philosophie du consentement, aux éditions Climat. Frédéric Gros, La honte est un sentiment révolutionnaire, chez Albin Michel. Estelle Zhang-Mingual, Apprendre à voir, le point de vue du vivant. Voilà, je voudrais juste ajouter, en tant que président de jury, de souligner la qualité exceptionnelle de ces cinq ouvrages, qui d'une certaine manière se valent tous, quoi. C'est-à-dire ça se joue à une once, à un vote, à bulletin secret, évidemment, que je ne vais pas révéler. Mais le fait qu'on ait beaucoup discuté signifie bien que tous ces livres ont chacun leur qualité propre, mais tous sont des livres qui éveillent et qui ensemencent la pensée, et qui vous feront découvrir effectivement des territoires auxquels peut-être vous n'auriez pas pensé tout de suite. Donc je vous invite à les acheter tous, même ceux qui ne sont pas primés naturellement, parce que tous se valent par leur qualité et la qualité de leurs auteurs. Alors, j'invite Charlotte à nous annoncer le lauréat du prix 2022. Alors, le prix 2022 est décerné à Manon Garcia pour La conversation des sexes, philosophie du consentement. Thank you.
Bonsoir, merci beaucoup, je suis très émue. Je ne sais pas très bien quoi dire, je suis très, très émue, très contente. J'ai été à la place de mes co-finalistes il y a 3 ans, donc je sais que c'est une position pas extrêmement agréable, donc je pense à elle et à lui, puisque il n'y a qu'un homme. Je voudrais dire quelque chose. J'ai été très touchée cette année par l'équilibre des finalistes. C'est rare qu'un prix de philosophie, bon déjà il n'y en a pas beaucoup, mais qu'il y ait 4 femmes et un homme, ça n'arrive pour ainsi dire jamais, et qu'il y ait 3 féministes dans un concours de philosophie générale, disons, c'est particulièrement émouvant pour moi et important, je pense. Et je pense que ce n'est pas l'effet d'un wokisme ou d'un islamo-gauchisme généralisé, mais plutôt la prise au sérieux et la prise de conscience du fait que les féministes ont des choses à dire sur le monde et sur la pensée qui comptent. Et je pense ça du travail de Judith Butler et du travail de Camille Froide-Beaumétrie et des travaux d'autres philosophes, mais je pense que et Estelle Zongmingual aussi d'une certaine manière, même si c'est pas de la philosophie féministe à proprement parler dans les cadres, disons. Mais voilà, je pense qu'il se passe quelque chose de nouveau. Il y a une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Michèle Ledeuf, que sûrement la plupart d'entre vous ne connaissent pas parce qu'elle a été peu lue, qui a écrit un livre qui s'appelle L'étude et le rouet, où elle dit, j'ai pas la citation exacte en tête, mais elle dit que les livres de femmes en philosophie ont longtemps été mis dans une catégorie à part des livres écrits par des femmes, pour des femmes, sur les femmes. Et que, du coup, la moitié des lecteurs se privaient de solides lectures en ne les lisant pas et en pensant que ça ne les concernait pas. Et je pense que les femmes avant moi, à qui je dois énormément, dont notamment Sandra Logier, qui est ici ce soir, mais plein d'autres, dont Simone de Beauvoir, Michèle Ledeuf, tant Hannah Arendt, qui a été citée tout à l'heure, ont permis voilà, d'ouvrir la perspective de ce que pouvait être un livre de femme qui n'est pas un livre de femme, qui est un livre de philosophe et qui peut être lu par des philosophes en général. Et donc voilà, je suis très touchée pour ça, de recevoir ce prix et de la confiance que ça me donne dans mon travail. Donc je vous remercie beaucoup, je remercie les membres du jury et je suis très touchée. Merci beaucoup. Chers amis, au nom de toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco, je vous remercie vivement et chaleureusement. Permettez-moi de vous dire, et ce, avant de clore notre soirée, que dès demain, nous continuons nos activités philosophiques ici même au Théâtre Princesse Grâce pour la journée dédiée aux femmes. Puis samedi et dimanche pour les journées dédiées au plaisir de philosopher dans plusieurs lieux de Monte Carlo, Société des Bains de Mer. Notamment à l'Opéra Monte Carlo samedi soir avec Fabrice Lucchini et Eric Fiat pour Le Mystère Nietzsche. Je souhaiterais maintenant inviter les 2 lauréats du prix lycéen à venir nous joindre sur scène. Inviter également Pascal Iltis des éditions de La Découverte, évidemment tous les membres du jury et Laura Hugo et Madame Bonal aussi, évidemment, s'il vous plaît. Pour la traditionnelle photo. Merci encore, chers amis, et excellente soirée à tous. Thank you.
tout le monde peut me regarder, s'il vous plaît.